Un décor champêtre, reposant, bref, l'endroit idéal pour accueillir les petits comme les grands ou des personnes atteintes de handicap. Ici, à Villeneuve-d'Ascq, l'association Canta a choisi une ancienne ferme comme décor pour des ateliers de théâtre, des cours de musique. On adore l'idée et le Crédit Mutuel Nord Europe aussi. Ce mois-ci, l'agenda est parti à la découverte d'un petit monde caché dans la campagne de Villeneuve-d'Ascq. Et c'est un vrai coup de cœur que nous avons eu pour l'association Canta. Le but de Canta, c'est de permettre aux travailleurs handicapés de s'intégrer par le travail et aussi de casser un petit peu des schémas qui sont liés à leur pathologie. L'association Canta est à la fois un établissement d'aide par le travail qui accueille des handicapés, une compagnie théâtrale et un restaurant. Ici, on travaille et on crée. On est là en binôme pour les aider, leur expliquer, avec ma collègue. Et on les briefe, en fait, on les guide, on leur fait un modèle sur une assiette qu'ils doivent reproduire pendant le service. Je pense que je leur apporte aussi des choses qu'ils peuvent reproduire chez eux, c'est sympa aussi. Non, Nathalie, la cuve du batteur, c'est quoi demander le batteur? Et j'essaye de les mettre en autonomie pour qu'ils puissent faire le repas du personnel, donc ils reproduisent ce qu'on fait au restaurant pour eux, pour le personnel. Donc même s'il y a des loupés, ça se voit moins pour un client. Non, moi j'ai pris mûr, s'il vous plaît. Assumer sa différence est le leitmotiv de toutes les activités de l'association. Fondée en 1992, elle travaille aujourd'hui avec 22 handicapés psychiques qui profitent de cours de théâtre pour accompagner leur réinsertion professionnelle. Ba-pa-ta. Madame. Ba-ta-pa. Ba-pa-ta. Ba-pa-ta. Voilà, tu l'as. Attention, le prochain il est simple, la gourmandise. Nourris-le. Ça donne faim, la gourmandise, vas-y. Pour moi, c'est une richesse en tout cas en tant que pédagogue parce que je dois faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et parfois d'une grande humilité aussi. Pour moi, il n'y a pas de handicap. Voilà, j'aime pas ce mot en fait. Il y a des différences. Et il faut les prendre en compte, quelles que soient ces différences. Ici les mains, elles racontent quelque chose, tu vois. Donc tes mains, elles sont expressives, libère-les de ton... Ça nous apporte aussi de la confiance en soi. Ça fait travailler aussi la mémoire. Et puis, mais ça aide surtout à bien articuler. Voilà. La plus valide et la plus compétente des personnes peut être un vrai handicapé au théâtre parce qu'il n'arrivera pas à sortir ses émotions. Alors attention, l'adjudant chef. C'est quoi l'adjudant chef? C'est sur le plateau qu'on apprend le théâtre, c'est pas dans les gradins, hein? En plus de cet engagement, l'association propose des ateliers aux enfants, des résidences artistiques et surtout d'excellents concerts toute l'année. Allez-y, c'est bon, c'est beau et c'est plein de vie.